you. Salut à tous, c'est Ralga pour ce troisième épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc on continue là où on en était, donc je reprends pas exactement là où on était, j'ai bougé un peu, mais vous inquiétez pas, c'est le temps de la sauvegarde qui fait foi. Donc nous sommes à Argenta. Donc nous avons battu Pierre et nous allons maintenant nous diriger vers le mont Sélénite. Mais avant ça, je vais faire un petit stock de potions. Combien je vais en prendre? Je sais pas trop. Hop, allez, 3 potions. Parce que le mont Sélénite et quelques Pokéballs, évidemment. Hein. Parce que j'ai quand même l'intention d'attraper des Pokémon à un moment. Donc je disais, donc le mont Sélénite, je prends quelques potions parce que ça risque de monopoliser globalement la totalité de la vidéo. Et à part un centre Pokémon juste avant l'entrée du mont, il n'y a pas moyen de se soigner. Donc je remets Pikachu en premier, hein, maintenant que j'ai battu Pierre, j'ai plus trop rencontré de Pokémon Roche. Je peux le continuer à l'up. Surtout que j'aurais besoin de lui pour affronter Ondine. On serait bien qu'il gagne quelques levels. Ah ouais d'accord, je lui prends level 10 direct. Hop. Donc honnêtement, le mont Sélénite est vraiment l'un des endroits les plus insupportables du jeu. Enfin pour moi en tout cas. Sachant que le deuxième, c'est la grotte. Qui est un mont Sélénite bis avec en plus qu'il faut utiliser flash. On verra quand on y sera. Bon, level 9 c'est bien ça. Hop. Mais le gros problème de cet endroit, enfin du mont Sélénite, hein, pas des dresseurs qui avant là où on est, c'est surtout qu'il n'y a pas de système de hautes herbes ou tout ça. Et que du coup on rencontre des Pokémon en continu, on ne peut pas éviter les combats. Bon, c'est très cool pour Pex, mais ça allonge franchement la durée de la traversée du mont Sélénite. Et en plus, c'est des Pokémon un peu relous, surtout les Nosferapti. Et je sais pas s'il y a des Nosferalto, je crois pas. Bon. Voilà. Donc, pour info, j'ai utilisé Nidoran en mâle. Parce que c'est un Pokémon de type poison. Et que du coup, face à Aspico qui a Darvenin très très tôt, bah ça ne fait rien du tout et ça ne l'empoisonne pas. Alors que si j'avais gardé Pikachu, il aurait sûrement pris un peu cher et il aurait été empoisonné. Hop. On va continuer à spam sécrétion si tu veux, hein. Pendant ce temps-là, moi je te fais des dégâts. Hop. Et une dernière griffe. Bon, on va faire ça, je vais le lisser, c'est cool aussi. Donc, faut que je garde le ferro-singe sous la main. Hop. Oui, je sais, le centre Pokémon n'est pas loin, mais j'ai la flemme de retourner à Argenta. Donc, je disais, je garde Ferro-Singe sous la main pour les Rakaiou et les Montagnards qu'il y a au Mont Sélénite. Les Montagnards qui ont souvent des Rakaiou. Parce que c'est mon seul Pokémon quasiment qui est efficace contre les Pokémon Roche. Bon voilà, paralysé. Ah ouais d'accord, t'es paralysé mais vive attaque quand même. Mais je t'emmerde. Ça me... Oups. Fais le clic. Hop.
Hop. Éclair. Oh bah, deux coups critiques d'affilée, c'est pas mal. Du coup, je l'ai tué en deux coups. Enfin, trois en comptant la cage éclair. Hop, éclair. Hop, coup critique. Oh purée. Alors je déteste l'attaque ligotage à beau. Parce que tu ne peux rien faire. Voilà. Bon, le nombre de tours pendant lequel on est ligoté est assez random, je crois. Enfin, je crois pas qu'il soit fixe ou qu'on puisse le deviner. Mais pendant tout le temps on est ligoté, on ne peut rien faire. On peut même pas changer de Pokémon. On peut le soigner éventuellement, je crois. Mais c'est tout. Hop, nanana, nanana. Oh purée. Et du coup je vais devoir affronter celui d'en bas. Mince. Parce que bon, je vais essayer d'affronter le moins de dresseurs possible hein, pour pas perdre trop de temps. Je rappelle que c'est quand même une course à la base. Hein. Hop. Sachant que de ce que je sais au moment où je tourne la vidéo, je suis pas trop mal placé pour l'instant. Alors que je suis quand même parti avec un très gros malus. Bon, ça me dérange d'utiliser toutes mes potions là, mais... Pikachu prend un peu cher, parce qu'en fait j'ai pas de masse de level d'écart, donc... plutôt des levels en dessous. J'ai envoyé qui en fait, j'ai fait tellement machinalement. Oh. Hop, Roucoul. Sylvie. Ouais, coup de corne, normalement c'est une attaque normale, ça me fait pas grand chose. Ouais, bon, un peu quand même. Aïe. Hop. Hop. Non, Roucoul ne meurt pas. Ouf, il a fait gros yeux. Par contre, il y a une chance que je ne le tue pas. Et voilà. Est-ce que j'y vais au... J'attaque en premier. Et un coup critique en plus qui ne sert à rien. Hop. Bon, je vais essayer d'up le chenipan un peu. Donc je vais le mettre en premier. Parce que bon, Crisacier sert un peu à rien. Hein, mais Papillusion est quand même extrêmement cheat pendant une partie du jeu. On verra plus tard. Je pense pas dans cette vidéo. Je pense pas qu'il évoluera en Papillusion dans cette vidéo. Mais... hop, bah Nidoran du coup pour reprendre la même strat que tout à l'heure. On verra donc Papillusion et son... okay, pourquoi il est cheat plus tard. Voilà, Darvenin qui m'enlève un PV. Il me semble que Darvenin a une petite attaque mais il a une grosse chance d'empoisonner. Sauf que je sais pas si on peut empoisonner les Pokémon poison. A priori non. Donc Coconfort. Bah, je vais remettre Chenipan, même si je sens que ça va être encore un combat très très long à base d'armure. Hop. Chenipan, ça me paraît pas mal. Hop. Pourquoi j'ai dit Chenipan? Ferro-singe. Oh là, je suis fatigué. Hein. Donc voilà, Coconfort qui spam armure. Donc voilà, je ne fais rien du tout. Hop.
Hop, coup critique. Bon, ça servait à rien. Donc, je n'ai pas en niveau 6. Je sais pas quel level il évolue en crise acier. On verra à la fin du combat. Donc, bah, remettre chenipan, hein. Hop. On va enchaîner avec Ferro-Singe encore. Bon. Normalement, il n'a pas d'attaque qui fait des dégâts par charge. Donc, c'est bon. Oh, je l'ai fait mal. Hop. Sérieusement. Hop. Et il reste crise acier. Donc encore un combat d'armure. Bah, je vais en profiter pour remettre chenipan. Hein. Limite, pour le faire gagner masse XP, je pourrais garder que chenipan et lui faire spam charge. Mais vu qu'il a pas mal de level de moins et uniquement charge, ça risque d'être très 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 long. Hop. Hop. Oh, le coup critique qui lui a enlevé la moitié de vie, on va dire, à peu près. Ouais, je vais rire. Bon, allez. Voilà. Voilà, je n'ai pas de niveau 7, c'est pas mal. Donc, j'ai vaincu le scout. Hop. Voilà, donc c'est... je sais pas si c'est level 6 ou level 7, vu que j'ai eu ces deux levels pendant le combat contre l'adresseur, mais je vais avoir un crise acier. Crise acier, donc je pense qu'on l'a assez croisé. Donc crise acier, apprend armure. Hop, donc celui-là je peux pas l'éviter. Hop. Ouais, Scoot veut se battre. Encore un chenipan, c'est original. Bon, allez. Très passionnant. J'aime pas trop ce passage. Tous les dresseurs ont les mêmes Pokémon. On se croise des chenipans, des crisaciers depuis la forêt de Jade. C'est vraiment insupportable. Hop. Oh, un crisacier qui va faire armure. Bon, allez. Oh, c'est original, je m'y attendais pas du tout. Oh, oh, je lui fais mal. Hop. Oh, Pikachu level 11. Oh, vive attaque. C'est cool ça comme attaque. Donc, pour ceux qui savent pas, la particularité de vive attaque, c'est que peu importe la vitesse du comment dire, peu importe la vitesse du Pokémon et de l'adversaire, Vive Attaque attaquera toujours en premier. Donc par exemple sur un chenipan qui spam sécrétion pour nous ralentir, bah on s'en tape. Hein. Hop, on va éviter ce dresseur. Je ne dis pas de bêtises, il n'y a plus de dresseur avant. Avant le mont Sélénite. Hop. Voilà. Donc on va soigner nos Pokémon. Hop.
tum, 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 tum. Hop, alors je sais plus trop par où faut aller. Allez, un caillou. Level 10, oh c'est cool ça. Je vais essayer de l'attraper pour remplacer mon Rattata qui ne sert à rien, la Rattata level 3. Bon évidemment je suis obligé de prendre Ferrosinge pour essayer de lui faire des dégâts. Hop. C'est très efficace, donc faut pas que je fasse un deuxième balayage. Griffe, ce sera bien, je pense. Oula. Je fais pas mal de dégâts. Pas beaucoup de dégâts avec Griffe. Hein. Bon, on va essayer de l'attraper là. Hein. Hop. Hop, 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 hop. Bah, c'est bon, voilà. Hop. Bon, blabla à caillou. Non, pas de surnom. Est-ce que je vais... Oh purée, encore un combat. Pff, limite, j'aurais dû acheter du repousse, quoi. Hop. Hop, fuite. Fuite impossible. Je t'emmerde, Nocerapti. Meurs. Purée. Bon. Voilà. Est-ce que là je peux fuir? Je peux fuir. Donc ce que je voulais faire, c'est retourner au centre Pokémon d'entrée pour remplacer le Rattata par le Rakaillou. Comme ça j'aurais une équipe de Pokémon level 10-11, sauf le Chenipan que j'ai l'intention de monter. Hop, donc on va stocker le Rattata level 3 qui ne me sert à rien. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà utilisé. Ah tiens, j'ai un Nidoran femelle aussi. Puis je vais en profiter pour soigner tout le monde. Hein, étant donné que j'ai utilisé quelques attaques et que le Crisacier a pris des dégâts. Tan, 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 tan. Hop. Je vais sauvegarder là. Parce que je sais pas que j'aime pas le bon Sélénite, mais un peu quand même. Donc au cas où j'aurai une sauvegarde. Hop, on va. Hop, le mon Sélénite. Voilà. Hop. Je vais prendre l'item, juste l'item. Hop, c'était 12. Je sais même plus c'est quoi la c'était 12, bref. Bon, je sais plus si elle c'est une dresseuse, mais je vais l'éviter. On racaillou. Raquel le Védi, j'en ai déjà un. Hop, fuite. Hop. Purée. Alors, dans mes souvenirs, il faut pas que je descende à celui-là. Je sais plus où faut que j'aille. Purée, mais... Le Serapti, il ira caillou. Hop. Mais. Je sais plus. Puis c'est, ça aide pas de se c'est pas facile de se repérer quand on est interrompu toutes les 15 secondes. Oh, une potion, c'est cool ça. Un super bonbon, c'est cool aussi, je vais le garder pour l'instant. Quand sorti, ça peut être utile si je suis vraiment dans la merde.
Donc la corde sortie, ça doit être la première que je croise. Ça permet de retourner au dernier stand Pokémon visité, si je dis pas de bêtises. Et ça marche... Je sais pas si ça marche partout en fait, mais ça marche surtout dans le Mont Sélénite, la grotte, enfin tous ces endroits-là où on n'est pas dans une ville ou sur une route. Je vais éviter le dresseur là-bas. Tiens, il y avait un item que j'ai oublié de prendre là. Hop. Pierre Lune, ça pourrait être utile plus tard. Pour Nidoran, je pense que je vais le garder pour Nidoran. Donc, quand Nidoran évoluera en Nidorino, je pourrai le faire évoluer en Nidoking avec la Pierre Lune. Je n'ai pas l'intention de récupérer de Rondoudou ou de Mélofée, les autres Pokémon qui évoluent avec la Pierre Lune. Parce qu'ils sont. Bof, puis comme on essaie de rush, ça devrait pas trop avoir envie de farm, je pense. Hop. Voilà. Un mec de la Team Rocket. Bon, bah on va l'éviter, hein. Hop. Hop, on prend la fuite. Nanananana. Bon, ça fait déjà plus de 20 minutes que la vidéo est commencée. J'aimerais bien finir le Mont Sélénite dans cette vidéo. Enfin, si je dis pas de bêtises, je dois approcher de la fin. Mais avant, j'ai quelques dresseurs à affronter. Hop. Un item ici, voilà. Il y a toujours des items dans les recoins comme ça. Ah. Hop, donc un intello. Tadmorve. Ah, la première fois que je le croise, lui, je crois. Je sais pas si l'électricité va le... Ouais, pas trop. Entrave. Entrave, ça fait oublier une attaque de manière temporaire. Mais comme elle rate tout le temps, bon bah voilà. Pendant ce temps-là, moi je lui fais mal. Hein. Ah. Ah, oublier vive attaque. Bon bah pas grave, je fais des dégâts avec éclair. Entrave peut être très chiante sur des... Sur des Pokémon basés uniquement sur une seule attaque. Hein. Ou qui ont une seule attaque qui fait des dégâts. Typiquement, je sais pas, un Spectrum avec Hypnose et Dévorève. Avec Onde Folie, puis je sais pas quoi. Bah, s'il a plus Dévorève, ça va être compliqué. Hop. Bon, il a pas masse, pas beaucoup d'attaques le Voltorb. Hein. Hop. Ah, oh, grincement. Avec le son de la Game Boy, c'est assez horrible. Hein. Hmm. Je pense pas que Voltorb il ait des attaques électriques en fait pour l'instant. Donc limite j'aurais pu garder le maintenant Pikachu, il a une attaque électrique et j'aurais pas fait beaucoup de dégâts. Ah, Nidoran niveau 12. C'est cool ça. Double pied, c'est cool aussi. C'est une attaque de type combat. Qui attaque en deux coups. Enfin, deux coups en un tour. C'est pas mal. Si j'avais pas réussi à choper un fer au singe pour battre Pierre, c'était la solution numéro 2, le double pied. Parce que attaque de type combat, donc du coup, forcément... oh. Ah, oh. Potion. Pourtant, c'est une attaque de type poison sur un Pokémon poison. C'est pas censé me faire beaucoup de dégâts. Putain, le Skomogo, il me fait mal. Donc, je disais double pied, une attaque de type combat qui aurait fait très mal sur les Pokémon en roche. Et bon, fallait que je monte le Nidoran au niveau 12. Ce qui est...
qui est un peu compliqué, sachant que le féro singe par exemple, j'ai été level... Aou. Bon, ça c'est embêtant par contre. Le féro singe était level 9 ou 10 quand il arrivait devant Pierre, je crois. Enfin, le farm, encore 3 levels. Donc, pourquoi j'ai mis Chrysalis? Aou. J'ai mis Chrysalis parce que, en fait, comme maintenant, ça va être le seul Pokémon qui a participé à ce combat, vu que l'autre est mort, c'est lui qui va choper toute l'XP. Et... j'aimerais bien qu'il survive à cette, attaque et qu'il tue Smogo. Ouf, c'était juste. Non! Non, 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 non. Bon, bah, il va pas choper l'XP. Purée. Bah, l'XP pour beaucoup, là, admettons. Hop. Voilà. Pff, coup critique. Le coup critique arrivait pas au bon moment, quoi. Hop, on a vaincu l'intello. Hop, je vais prendre un fossile. Fossile dôme, non. Et tant que c'est Kabuto et Kabutops, je vais plutôt prendre le Nautile. Sachant que, en fait, les deux sont des Pokémon Roche-Eau, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas si je compte les utiliser, on verra plus tard. Hop, un Paras. Level 13, oh. Ouais, mais... peut-être encore des combats à faire, donc je vais pas perdre trop de... Ah. La Team Rocket. Sachant que, comme je suis sur Pokémon Jaune, c'est la Team Rocket version animée. C'est-à-dire... Jesse et James. Oula, je vais y arriver. Avec les Pokémon de l'animé, donc Abo, Smogo et Meowth. Donc Abo qui va spam Ligotage comme un débile. Ah non, Darvenin. Oh purée, Pikachu empoisonné. Éclair. Où je fasse le plus de dégâts le plus rapidement possible. Gros yeux, bon, fais gros yeux si tu veux. De toute façon, Pikachu va mourir, je pense. Gros yeux encore. Vas-y, fais gros yeux. Hop, vas-y. Non! Bon, Abo, purée, paralysé maintenant, ça sert à rien. Voilà. Donc, on est débarrassé d'Abo. Pas mal déjà. Pikachu niveau 12. Meowth, non, je vais essayer de le tuer au Pikachu. Hop. Bon, bah, je vais pas essayer de le tuer au Pikachu. Oula, j'ai déjà 3 Pokémon morts. Oh, faut pas trop que je fasse de la merde, moi. Meowth, Pokémon normal, donc après, les attaques de type combat vont lui faire très mal. C'est ça. Par contre, sa griffe a fait mal aussi. Oh, purée, coup critique. Hop. Voilà, donc Meowth est mort. Il attaque, c'est cool aussi. Bon, faut qu'il me reste plus que 2 Pokémon, 3 Pokémon pour battre Smogo. Smogo qui va avoir purée de poids, je pense. Oh, coup critique qui fait pas beaucoup de dégâts, ça. Ça va être tendu, je pense. Putain, je lui ai rien fait comme dégâts. Est-ce que Tornade fait plus de dégâts? Non, enfin, pas beaucoup plus. Bah, là, je vais attaquer en premier au moins, comme ça.
Oh, merci. Hop, vive attaque. Oh, purée de poids qui loupe deux fois. Hop. Ok, il me reste donc que Rakaillou. Oh, ça va être chaud ça. Ouais, mais il est insensible aux attaques poison vu que c'est un Pokémon Roche. C'est pas mal. Bon, par contre, il a pas masse d'attaque le Rakaillou. Hein. Ça va vraiment être à l'usure. Hein. Hop. 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 Rakaillou. Tue-le. Non, bah, pas encore ce tour-là. Hop. Bon, ouf. La Team Rocket s'envole vers d'autres ciels. Hein. D'autres cieux, pardon. Boule armure. Une attaque similaire à armure de Crisacier. Hein. Hop. La Team Rocket à la vitesse de la lumière. Voilà, ils sont disparus. Et si je dis pas de bêtises, j'ai fini le Mont Sélénite. Et il était temps. Oui, j'ai fini le Mont Sélénite. Donc je vais arriver à Azuria, je sais plus par où faut que j'aille. Par où il faut que j'aille, voilà. Non, pas par en bas. Ah. Bon bah c'était 04 si tu veux. Non bah je vais pas voir la fille là-bas. Hop. Et nous arrivons à Azuria. Donc bah, je vais aller soigner mes Pokémon. Il était temps. Donc on va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 30 minutes. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Vasound sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous avez les liens dans la description. Et puis la semaine prochaine pour la suite de notre aventure. Ciao !